si tous les initiés de l'Afrique se lèvent et déclenchent ces rituels, vous allez voir qu'ils vont abandonner. Ils ne viendront jamais faire cette expérience sur les Africains. Ensemble, levons-nous et déclenchons ce rituel, le grand rituel griffon du Sphinx. Avec ce que je vous ai indiqué, faites cela. Vous allez voir ce qui va se passer dans le cosmos, dans l'univers. À chaque fois qu'ils vont se lever pour venir faire ça, ils vont disparaître dans le ciel. L'avion va exploser, boy. Rien ne va se passer. Ils auront des choses qu'ils ne vont jamais comprendre. Dès qu'ils vont toujours décoller pour l'Afrique, ils ne vont jamais atterrir. Même s'ils atterrissent, ils ne pourront rien. Déclenchons ce rituel. Et l'essentiel est de rédiger le rituel vous-même. Rédigez-le correctement, avec toutes les analogies. C'est-à-dire comment on envoûte, de quelle manière on envoûte. C'est ça qu'il faut rédiger la prière. Et faites cette prière dans la phase du feu et la phase de la terre. Vous les connaissez déjà en tant que maître spirituel. Que l'Éternel nous vienne en aide.